Ok, Doki. Le chaman astéroïde. Donc, on est sur une base chaman contrôle. Donc, génération d'armure, un peu de vie, on va tenir tout simplement. Et l'idée, c'est de jouer avec les astéroïdes. Les astéroïdes, ce sont des petits sorts joués qu'en piocher qui mettent 2 dégâts à un personnage adverse aléatoire. Donc, on a lui qui en met. On a le briseur d'ultraviolet qui est incroyable d'ailleurs, parce que 3 dégâts à un serviteur adverse et 3 astéroïdes dans le deck pour 3. On a le T4 qui en met 3 dans le deck en salve. Et les astéroïdes coûtent, infligent 1 point de dégâts en cri de guerre. On a les tempêtes pour 6 mana, infligent 5 dégâts à tous les serviteurs, place 5-4 astéroïdes dans le deck. On va rajouter le petit Insidious, c'est pas des astéroïdes, mais c'est toujours très intéressant. Parce qu'on joue aussi Carniblock, donc vu qu'il y a pas mal de cri de guerre, le Carniblock marche bien. On a aussi une ossature très contrôle avec les nébuleuses. Les nébuleuses, c'est un sort qui découvre 2, alors ça coûte un peu cher, mais ça découvre 2 serviteurs coûtant 8 et les invoque avec provocation et insaisissable. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le cosmonaute qui va découvrir un sort de votre deck et réduire son coût de 5. Donc on peut faire T5, par exemple T6, on peut faire cosmonaute et T7, on peut faire nébuleuse. Donc ça peut être assez intéressant. On a le long voyant. Long voyant, c'est particulier. Il est pas ouf. Pour 5, il est 6-4, mais par contre, en râle d'agonie, il va ouvrir la lentille galactique. La lentille galactique, c'est un lieu qui absorbe le sort qu'on va jouer. Donc, par exemple, si on joue ça et que derrière, on enchaîne avec la nébuleuse, hop, on peut réactiver finalement une nébuleuse avec ce lieu. Donc voilà. Et après, derrière, des cartes de contrôle qu'on connaît bien, des cartes de value, des cartes de pioche. Voilà, on va voir ce que ça va donner. L'idée, c'est vraiment de tuer au contrôle, mais l'astéroïde, après l'astéroïde, c'est là pour nous défendre de manière générale. D'ailleurs, il n'y a pas de Ziliax dans ce deck. Ah si, il y a un Ziliax dans ce deck. Si, il y a un Ziliax. Oui, quand même. Un deck sans Ziliax, ça n'existe pas. Un deck contrôle sans Ziliax. La lumière nous apportera la victoire. Pour Marteau du Destin. Le premier sort absorbé, donc jouer 2 fois, c'est cool en vrai. Oui. Mais vu que c'est un lieu, tu vois, tu dois attendre un petit peu. J'aurais aimé avoir la pièce, mais bon. Ça, c'est quand même vraiment exceptionnel. Pour 3, un 3-2 qui met 3 avec un effet sympa. Travail terminé. Ouais, dans pas mal de classes, voire toutes, je crois, il y a des gros sorts. Et les cartes signatures des gros sorts, elles sont vraiment magnifiques. La lumière chante et les impurs tombent. Pourquoi ça arrive maintenant, ça ? Réglera tous vos problèmes. Ça, c'est Salve, hein. Ah non, c'est lui, Salve. Donc on aura le petit sort de ce gars. C'est vraiment fort ça. Pour le, justement, on en parlait du deck. Je vous en parlais du deck surplus de soins. Il a gagné ça, qui est une des meilleures cartes de l'extension. Parce que pour 0, tu peux donner plus de plus 1, boubou divin. C'est juste la carte qui manquait dans l'archétype surplus de soins. C'est le sort à 0 qui te protège ta carte. Ah bon, là je peux pas vraiment jouer au jeu. Oh waouh. Comment voulez-vous? Prenez-en une dose de plus. Personne ne peut appréhender. C'est horrible cette sortie, hein. On va se battre, hein. Bah les astéroïdes, si on les pioche, on en pioche 2 d'un filet, ça nous sauve. Hein. Les miches, mais bon. Là, c'est injouable, le gars, il fait la sortie du siècle. En plus, avec elle... Rien qu'un simple bandage ne puisse arranger.
On va pas faire la salve, hein. On va l'utiliser comme une 3-6 pour booster les astéroïdes. Ouais, je pense que ce match est perdu juste par la sortie. Mais on va voir, on a quand même un deck un peu contrôle, donc on a des bons sorts de gestion, à 6 mana par exemple. On peut aussi piocher les astéroïdes et raser le board. Ça aussi, le deck, il a gagné ça. Ah, j'avoue que c'était la game pour le Mega Bundle. Bah, c'est pas de ma faute, hein, c'est Zetalot. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois, la troisième game... Ah, mais là, on est tour 4, quoi. On est tour 4, hein. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que cette game, on est censé la gagner, hein. Avec Sign, tout ça, la majorité des decks aggro, on va les écraser avec cette combinaison. Cinq tue personne. Bah là oui, mais parce que ces créatures elles ont 6 d'endurance, mais normalement ça tue. On ne va pas rester une seconde de plus dans cette partie. Bon, on n'a pas pu voir les astéroïdes. J'ai pris de la sortie, c'est clair. Au pire moment pour vous. Troll contre Anduin. La lumière nous apportera la victoire. Pour Marteau du Destin. Ça, c'est très bien. On va garder les lames fondues. Et... Je croyais que c'était interdit de FF dans ces événements. Bon ouais, c'est... là, ça sert à rien de rester. On va dire qu'il faut essayer de se battre, mais là, il n'y a aucun... C'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Et le but, c'est quand même de faire un maximum de games et que ce soit intéressant. C'est étrange ça. J'aime pas trop ce truc là moi. Ouais, c'est pas mal. Ça fait le trade, ça met 3 petits astéroïdes dans le pack. Vous choisissez 3 cartes de votre deck que vous placez au sommet dans cet ordre. Ok. Je pense que je vais faire la forêt. Ou alors je décide de me défendre avec les lames fondues. Non, autant piocher le plus vite possible. Un peu cher, mais bon. C'est jamais une mauvaise carte. Est-ce que ce 3-3 serait jouable dans ton deck ? Ouais, tu mets 3 astéroïdes au-dessus, ouais, ça me paraît... En fait, l'idée du deck, c'est vraiment un corps très contrôle. Donc ça, c'est une carte, t'as pas envie de la faire T3, y a pas forcément des trucs que t'as envie de mettre au-dessus. Non, je suis pas sûr. En plus, en T3, tu vois, t'as déjà l'Elem, qui est une des meilleures cartes du jeu. Lui, qui est le meilleur lieu du jeu. Donc en fait, t'as des cartes qui sont totalement pétées. Que tu t'as envie de curver, on va dire, au-dessus de ça.
Oh, ok. On peut salve ou... Je crois qu'on va salve. Hein. Ou alors on salve pas et on se dit il va pas le chercher. Que faire ? Je crois. Hein. Je crois que je fais ça et ça. Je salve pas. L'idée c'est que j'ai quand même pas mal d'astéroïdes donc j'ai envie de les booster maintenant. Et au prochain tour l'idée c'est de faire pièce cosmonaute. Et j'active ma salve. Vous voyez ? Ça me paraît pas mal. Hein. Ce monde ne connaîtra pas le même sort qu'Argus. Ça, c'est beau. Oh. Non, on va faire le play. Hein. Bah, le problème, c'est que là, on peut découvrir astéroïdes. Mais on va surtout découvrir la nébuleuse. Ah, c'est fat, hein. Hamantoul! Que fait la nébuleuse ? Elle met des T8. Provoque insaisissable. 2 T8. Ok. Déçu de l'épée ? Bah quand même, ça met 2 T8. Ça va pas tuer directement l'adversaire. Hein. Tu préfères 4-8 à 6-6, ouais. Bon, plein d'Amantoul en main. Pas trop dérangeant ça. On aura peut-être une tempête à caler. Après on a un Ziliax aussi hein, qui invoque deux loulous. On va voir. Ah. Ça dépend où ça va. Pas évident. S'il y a extrait trade face. Ouais, c'est quand même dommage de pas profiter de ça. Restez coupés.
Ok. Bon. Écoutez, ça me va. J'ai le board avec des insaisissables. J'ai mes astéroïdes, je les compote petit à petit. Après, je vais me prendre des kilos d'aman pool, donc là, c'est vraiment bataille de contrôle, quoi. Ah, j'ai envie de caler lui, hein. Parce que là, les astéroïdes, ils mettront 4 dégâts. Non, je pense qu'on fait juste Iliax et on va chercher le... Je vais reprendre un aman pool. Ouais, putain, c'est chiant. C'est chiantos, hein. Ouais, le troisième là, il nous met dedans. Hein. Enfin, on a une grosse main après, hein, mais après on a toujours Shadowwalk. Shadowwalk Insidious, c'est vraiment vraiment fat. Ça, c'est pas mal avec la tempête. Ouais, ça je peux faire double astéroïde. Après s'il me le silence. Retournez immédiatement à bord. L'œil flamboyant. J'arrive au baril coulant. Ça fait peur là. C'est le tour clé, hein. Je pense qu'on peut gagner si lui il meurt. Enfin si on active le râle d'agonie de ce gars. Parce que là, ils mettent combien ? 3, 4 dégâts, hein ? Enfin, avec lui, parce que là, on va curver ça et ça. Enfin, ça d'abord. Non, ça d'abord. Ouais, peut-être ça d'abord pour en mettre 3. Mais on sera à 4 dégâts par astéroïde et on en aura plein dans le deck. Oh, il le tue. Ce match, quoi. Ce match des enfers. Attends. Oh. Non, on s'en fout des astéroïdes, faut pas les piocher. Quoique, peut-être le fait après. C'est un piège. Ça me paraît quand même assez pété, hein. Ça me paraît quand même vraiment assez pété. Un peu de temps.
là ça peut vraiment faire. Après ça fait peur ça. Ouais. Ah, c'est un deck contrôle hein. À partir du moment où je lui propose pas de board et à partir du moment où il peut plus faire d'Aman Tool, bah il peut plus faire grand chose quoi. Quelle merveille, quelle merveille. Quelle merveille. Quelle merveille, j'ai déjà dit. Ouais, quelle merveille. Ah non. Ah non, ça détruit mon terrain. Ah non, ça détruit mon lieu. Ah non, faut arrêter de faire ça. Oh non, mais faut vraiment arrêter. Mais... Allez. Allez, 3-4. Allez, t'es mort. Allez, ça dégage. Ah, j'ai l'impression d'être champion du monde d'Hearthstone là sur une game comme ça. J'y ai jamais cru à cette game, c'est incroyable. J'y ai jamais cru. Mais en même temps, j'y ai cru. Les 3 Aman Tool, je les ai tankés. Tac, tac, tac. Je fais une dernière petite game avec ce paquet. Voilà la tempête d'astéroïdes. Et vous la méritez celle-là. C'est beau de le gagner ce match, hein. Bah, il a carry hein, le Nobundo. Hein. Le Nobundo il a carry. Pour 6 mana, je reste en board, je mets 10 astéroïdes. Bon bah GG. C'était incroyable. Le Nobundo il a carry de fou. Ok. Incroyable ce Nobundo. Bon, le deck est un peu lourd, mais bon. Chaman, quoi. Ah, il pièce ça, intéressant. Je sais pas si c'est une bonne idée de piécer ça. En même temps, il a... Ouais. Je suis pas fan de mon T4. Oh, Turbulus. Turbulus, plein d'astuces. Alors Turbulus c'est tu te jumelles avec chasseur. C'est intéressant avec chasseur. Chasseur, ça veut dire qu'il joue un aggro. En fait, je pense qu'il joue un aggro astéroïde lui. Oh. À moins qu'il joue Turbulus juste parce que c'est pété. Mais j'ai envie de lui caler le Nobundo maintenant en fait. Non mais sans blaguer, je lui cale un Nobundo, je lui cale une... Non mais ça sert à rien. On s'enflamme pas. Mais c'est vrai, j'ai envie de lui caler un Nobundo. Non mais je vais lui caler un Nobundo à ce type en fait. Je suis pas obligé de m'énerver en disant ça, hein, mais... J'ai envie de lui caler un Nobundo. Le plus vite et le mieux, de toute façon, parce qu'après, il y aura des maléfices, possiblement, ou des machins à la con. Merci M6Q, merci pour ton frame, merci beaucoup, c'est gentil. Allez. Je peux le faire là-dessus aussi, hein. Je crois que c'est un aggro en face. Je crois que je vais lui dire si tu joues aggro, la game elle est finie en fait. Nobundo meilleure carte du jeu, je veux rien savoir. Je peux tout faire
Est-ce qu'on peut aller le chercher lui? On peut, mais faut quand même une météore. On calme météore, hein. Je veux pas laisser une Sidious de tour. Hein. Prenez-en une dose de plus. Ouais, je laisse pas Insidious de tour, c'est une carte beaucoup trop forte. Merci Dédé War du 21 850, pardon, merci pour ton Prime. Merci Fish pour toutes tes vidéos BG sur YouTube, bah, avec grand plaisir, merci à toi. Merci de ton aide, c'est très précieux et c'est ça qui m'aide à vivre de mon travail. On a bien tenu et on balance la sauce. Le Seigneur du Feu. Quoique, c'est peut-être les petites cartes. 3. Hein. Je crois que là, on va juste faire les petites cartes. Ah, dommage. Du berger à la bergère. Ruée surcharge si vous avez joué un LM au tour précédent, pas de surcharge. Ouais. C'est un plot quoi. C'est un Yeti Norrois quoi. Personne ne peut appréhender l'étendue de mon pouvoir. Tiens, j'aime pas ta carte de toute façon. Ok, bon, faut le blesser vu que les astéroïdes ça met des dégâts.
Ça évite que ça se joue uniquement au top deck à un moment où celui qui pioche le mieux gagne, quoi. Plus on met la pression, plus on augmente nos probabilités, même sans top decker de gagner. On voulait voir de l'astéroïde, on en a vu hein, sur les deux games là. Bon, je suis toujours devant quand même. Hein. Le problème, c'est que je joue pas de sort avec eux. Après, peut-être qu'on va juste mettre du board avec ça. Hein. Je pense qu'il a joué assez d'astéroïdes. On met des astéroïdes dans le deck, on met les 2-4 et on tente de le buter au prochain tour. Man, sur la tête un peu, tu vas pas raser mon board. T'es sérieux? Il a pas joué, il a déjà rasé mon... Il a pas encore pioché, il a rasé mon board. Bon, ça c'est bien, ça veut dire qu'il a peur. Allez. Ça me plaît. Ça c'est un beau top deck. Ouais, mais mes astéroïdes elles ont... C'est quoi ces x3 hein? Donc mes astéroïdes, elles sont 5 dégâts. C'est beau, hein. Oula, c'est risqué, ça. Ouais. Aïe. Bon, paratonnerre, hein, il doit aller le chercher. De peur que j'active la salve. Allez, bon, ça va raser le board. Là, le gars, il me laisse détaper. Oh, faut arrêter. Mais je crois que j'ai des astéroïdes dans le deck, là, en fait, presque. Mais man. À mon tour, j'ai gagné, là, en fait. Mes astéroïdes, ils mettent... 8 dégâts. J'ai 8 dégâts par astéroïde. Et j'ai pratiquement que des astéroïdes dans le deck. Ah, il va me shooter à distance. Ah, il fallait vraiment... Ah, la frustration! Il fallait vraiment le petit 2 dégâts, là. Le 2 dégâts qui change tout. L'insidious qui change tout. Parce que j'ai 40 ou 50 dégâts derrière. Ah, bien joué.